Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, troisième vidéo du montage de la Mercedes 300 SLR 1000 Miglia. Vidéo, elle va concerner les étapes 5, 6 et 7 de la notice de montage, donc des pièces de direction et des petites pièces rondes. Alors, je ne sais pas si c'est des différentiels, je ne peux pas vous dire. Si quelqu'un a le nom de ces pièces, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment s'appellent ces pièces. Voilà, donc je vous propose de découvrir donc les pièces. Alors, hors caméra, j'ai effectué toutes les mises en peinture. J'ai pas voulu filmer tout ce qui était aéro. De temps en temps, je le montre, mais après, ça devient rébarbatif après. Donc, j'ai peint toutes ces pièces en après. Alors, j'ai fait un après de X18 sur ces pièces. Puisqu'après j'allais mettre des peintures dites métallisées, donc il faut un après noir, donc j'ai tout passé au X18. Ces trois pièces, donc les fusées plus une petite barre de direction, ont été peintes en gunmetal de chez AK Interactive Extreme Metal. Cette petite barre de direction, je l'ai laissée en X18. Et ces deux pièces, donc là, je ne connais pas le nom, différentiel peut-être, je ne sais pas. Donc, apprêté en X18, et puis les soufflets que vous voyez là, que je vous montre, donc ont été masqués avec du mascol, afin de pouvoir effectuer la peinture après par-dessus sans atteindre le noir. Donc, ces pièces-là ont été peintes en aluminium de chez Extreme Metal, de chez AK Interactive plutôt, la peinture Extreme Metal. Voilà, donc des petites nouvelles aussi de la carrosserie. Elle a été finie d'apprêter. Donc il n'y a plus de ligne de moulage. Tout est propre, tout est lisse. Donc la petite partie où j'avais beaucoup masqué parce qu'il y avait du jour, donc ressort bien. Ça fait propre. Donc bon, l'envers, il y a beaucoup de mastic, mais de l'autre côté, après, ça fait super propre. Donc sous peu, je vais la passer donc sur la face peinture. Elle est finie d'être apprêtée. Le capot aussi, les pastilles d'éjection ont été comblées, donc on ne les voit plus, enfin presque plus. Je suppose qu'avec la peinture aluminium, ça risque de ressortir un peu. Je verrai ça s'il faut repasser un coup de ponçage dessus ou pas. Voilà, je vous montre la carrosserie toute montée. Donc il y a deux pièces aussi qui ont été finies d'apprêter, les deux petites pièces qui vont sur le capot arrière. À savoir que les trous ont été effectués, enfin j'ai effectué les trous parce qu'ils sont pas sur le kit. Bon, il y a un placement au dos hein, pour percer, donc il n'y a pas de souci de dimension. Mais il faut le faire soi-même. Voilà, donc la carrosserie sous peu sera peinte. Je vous montrerai le résultat final, bien sûr, une fois la peinture effectuée. Au niveau du moteur, j'ai passé le jus donc, de chez Tamiya. Le panel line de chez Tamiya, donc j'ai passé le jus sur tout le moteur. Ça fait super, ben, je trouve un rendu exceptionnel. J'ai joué avec les ombres, histoire de pouvoir donner un petit peu plus de relief au moteur. À savoir que toute la partie du dessous va être visible, et puis la partie du dessus aussi, puisque le capot restera ouvert. Au niveau des échappements, alors je suis pas trop content du résultat. J'ai voulu faire un effet de chauffe au niveau des deux cônes d'échappement. Je suis pas trop content du résultat. J'avoue ne pas encore avoir l'habitude d'en faire beaucoup. Donc petit à petit, je vais m'améliorer. Voilà, donc maintenant, on va passer au montage de toutes ces pièces sur le châssis. Donc on va commencer par les fusées à monter sur la barre de direction. Donc je fais un petit essai quand même avant pour voir si tout s'emboîte bien. Bon, je l'ai fait avant la mise en peinture, mais vaut mieux vérifier encore une fois avant de commencer à tout poser.
Alors la tradition de chez Revel, hein, il va falloir chauffer les petits étangs en plastique sur la barre de direction pour que ça tienne. Donc c'est vrai qu'on le voit que chez Revel. Pardon, excusez-moi. Un petit coup de barre, hein, on le voit que chez Revel, hein, cette pratique-là. Sur les anciens kits, les nouveaux kits, les kits modernes, il faudra que je regarde ça. Si on continue à le faire ou pas. Donc là, j'essaye de trouver un petit calage pour pouvoir appuyer après avec le fer chauffé. Histoire de ne pas tout tordre et de ne pas tout casser. À noter aussi, alors dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez la luminosité de la vidéo. J'ai fait l'acquisition d'une lampe de bureau lumière blanche, dite lumière du jour. Donc dites-moi si c'est mieux au niveau de la luminosité. Je pense que c'est mieux. Je n'ai pas encore mis la l'ampoule n'est pas à son maxi. J'ai trois types de lumière, mais je trouve que ça fait un peu moins jaune avec les mains devant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, une petite chauffe. Hop. Alors faut pas trop appuyer non plus parce que sinon tout le plastique s'en va et après c'est problématique, il faut coller quoi. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit rivet. Donc je vais faire l'autre côté aussi. Alors vous pouvez prendre un tournevis pour faire ça. Moi, je prends le petit touilleur à peinture. Ça fait office. Un morceau d'acier plat, ça suffit. Donc maintenant je vais venir coller donc a priori le différentiel, hein. Alors, vaut mieux coller le différentiel en premier et après mettre la barre de direction. Même pour ceux qui vont faire ce kit. Sinon, il y a tout qui bouge en même temps, c'est pas trop top. Donc bien sûr, je colle ça là.
à la Siano, comme d'habitude. Bien sûr, il faut tout ajuster, hein. Surtout là, cette petite barre avec les rotules, là, elle était un peu tordue, donc il faut que je l'ajuste un petit peu. Elle n'arrive pas bien dans l'axe de la fusée. Allez, la dernière pièce à coller. Donc, différentiel arrière, je suppose. J'avoue ne pas vraiment savoir du tout à quoi ça correspond cette pièce.
Et comment on l'appelle? Là, je vais renforcer un petit peu par en dessous avec de la colle liquide. Je trouvais que ça tenait pas assez. Donc je préfère assurer en mettant un petit peu de colle liquide. Alors maintenant sur ces pièces-là, je vais passer un petit peu de panel line, un petit peu de jus noir, histoire de jouer encore un petit peu avec les ombres et donner un petit peu plus de relief à ces pièces. Alors surtout en dessous, hein, puisque encore une fois, il n'y a pas de tôle qui va venir en dessous, donc tout va se voir. Donc très important que ce soit bien fini à ce niveau-là, si on veut que la maquette soit bien réussie. Alors j'essaye de mettre un petit peu de jus dans la sortie d'échappement, mais au final vous verrez, ça fait pas bien noir.
Donc je mettrai plutôt un petit peu de peinture noire mat dedans. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec le jus dans la sortie d'échappement. Voilà, donc il restera plus qu'à mettre un petit peu de passer un petit peu de white sur les surplus de jus. Et puis ce sera terminé pour ce montage-là, ces étapes 5, 6 et 7 de la notice de montage. Mais écoutez, ça va toucher à sa fin au niveau de la vidéo. Donc, ben, comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là pour visionner cette vidéo. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas posté. Enfin, j'ai pas le même rythme qu'avant en ce moment, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Je vais repasser à la même vitesse qu'avant. Donc, merci encore mille fois d'être venu voir cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à y liker. Je vais vous laisser donc découvrir la fin de la vidéo. Il reste quoi? Il doit rester 1 minute à peu près. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore mille fois de me rejoindre de plus en plus au niveau des abonnés. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et puis je vous dis à plus.